Moi, j'aimerais savoir si c'est possible, avoir des renseignements sur le règlement concernant le traitement des membres du conseil. Le règlement a été modifié, alors je dois savoir ça concerne quoi au juste. Bon, je vais demander à M. Desroches, c'est l'indexation qui se fait annuellement là, selon les règles, mais. Pardon? Ah, c'est des jetons de présence. Ah, c'est ça que vous parlez? Ah, mais il y a un règlement. En fait, il y a une. Ben là, je pense qu'il y avait deux affaires là-dedans. OK. Dans la dernière campagne électorale, oui. On a une formation qui on a parlé des jetons de présence. Donc, c'est des conseillers qui sont présents ou ceux qui sont absents pour les périodes prolongées. Il y a eu un débat là-dessus. Mm-hmm. Mais ça va revenir. Ça va revenir ici en public le 17 mars. Et je demandais que ça revienne le 17 mars parce que je vais être absent là, pour la période des vacances, mais je voulais absolument être présent lorsque ça va être présenté tout à fait. Donc, c'est des jetons de présence dans lesquels on a modifié, à savoir que si c'est accepté, donc le salaire de base des élus va être diminué. Puis quand les gens vont être présents, ils vont recevoir un jeton qui va les ramener à la hauteur normale. Donc, c'est une discipline qu'on s'est mis à l'interne. Bon, ça sera débattu le 17 mars, là, à savoir là, comment ça va être interprété, mais c'est ça le but. Puis vous avez dit qu'il y avait autre chose. C'était ce point-là. Mais je pensais que vous me parliez de l'élimination des élus qui est toujours public. Non, mais c'est ça, c'est parce que c'était un règlement qui modifiait le traitement des conseillers. Oui, bien, en fait, c'est des jetons de présence. C'est le jeton de présence. Oui, tout à fait. Okay. Bon, je pense bien que ce n'est pas tous les conseillers qui sont d'accord avec les jetons. Non. Non, mais. Regardez-tu d'un visage? Et moi non plus, d'ailleurs. Il y a un autre point. Je voudrais savoir sur le stationnement sur la rue Saint-Louis. J'aimerais savoir si c'est seulement dans la boucle que le stationnement est interdit sur la rue Saint-Louis. Oui. En tout temps. Ben, M. Berthelot, vous parlez de la rue Saint-Paul. Saint-Paul, excusez-moi. Oui, vous avez raison. Oui. Excusez-moi, c'est seulement la boucle? Oui. Ah, c'est bien, je vous remercie. Il y aurait un autre point. J'avais donné mon nom pour être dans un comité MADA, mais je n'ai pas eu de nouvelles. Alors, il y a des réunions. Oui, il y a des réunions. La réunion, on a parlé tantôt en plénier pour la municipalité amie des aînés. Là, donc, il y a M. Auger et Mme Poisson qui se penchent là-dessus, mais on a ça bien en note. Bon, ben, c'est bien. Merci, bonne soirée. Bonne journée.